Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oh, écoutez, ça va très bien, le soleil brille chez moi. Je vais vous montrer mon petit jardin. J'ai pas fait un potager, hein, mais juste, voilà, ça c'est ma vue. C'est ma vue, du coup ça me rend, ça me met en joie. Comme ça, on va le mettre comme ça, voilà, plus loin c'est mieux c'est. Depuis la dernière vidéo dans laquelle j'ai parlé maison, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. J'ai fait une remasterisation du dressing récemment, ce qui fait que j'ai pris plein de trucs du dressing pour les mettre dans mon bureau. Donc vous allez être choqués quand vous allez voir le bureau, le bazar qu'il y a dedans. Je vais peut-être commencer par vous montrer vite fait le dressing. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est le dressing. À l'époque, il y avait une coiffeuse et bah, ces deux meubles-là. De toute façon, je vais vous mettre un avant-après juste là. Maintenant. Comme vous pouvez le constater, ça a changé et il y a pas mal de choses qui étaient dans la coiffeuse qu'il a fallu que je stocke ailleurs et que j'ai pas encore rangé. Et du coup, c'est des choses que je vais ranger, mais dans le bureau. Mais avant ça, il faut que je stocke. Et bref, on va ranger le bureau. Vous êtes pas cardiaque au moins. C'est... enfin, vous me connaissez, de toute façon, c'est pas la peine de faire un genre. Vous savez que moi, le bordel, enfin... Bref. Ah non ! Voilà le bureau, du coup. Il y a quelque chose qui a changé, ouais. Là, le bureau qui était... ici, je l'ai mis ici, j'ai fait ça là il y a quelques jours parce que je veux vraiment rechanger un peu toute place. Donc maintenant il est là, il était là-bas. Attention, vidéo avant, après, enfin vidéo avant, maintenant. Quand faut y aller, faut y aller. J'ai pas du tout envie de faire ça. Donc la première étape à laquelle je vais m'atteler, c'est de ranger le bureau. Il y a vraiment de tout, il y a du maquillage parce que je me maquille ici, il y a de l'eau parce que je bois de l'eau ici. Il y a vraiment de tout, il y a mes bijoux, enfin c'est vraiment pas organisé du tout. Je vous dis, j'ai vraiment tout mis dans le bureau à l'arrache. Donc je range le bureau et ensuite je vais passer à la suite. Tiens, même mon lisseur. Et voilà pour le bureau, c'est déjà mieux. Bon, là-bas c'est un petit bordel, mais je vais pas faire semblant et vous dire que ce sera un bureau toujours super bien rangé et tout. Me connaissant, ce sera toujours un peu le bazar. Mais du coup voilà, je vais laisser ce petit coin comme ça. Tant que j'ai de l'espace en fait pour mettre mes petites affaires, mes disques durs, mes trucs, mes caméras et compagnie, je pense que c'est principal. Et je vais m'occuper du canapé maintenant. Allez, c'est parti, on y va, c'est parti. Allez, je vous prends avec moi, encore, oui, oui. Pour lui, ça va, j'ai une technique ancestrale de rangement de canapé qui consiste à claquer des doigts et le canapé est tout rangé. Regardez, on commence, vous comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3... Et voilà. Il est vraiment beau ce canapé, vous pouvez le retrouver sur le site de Midibou, c'est un Midibou, ou sur la route, je crois qu'ils le vendent aussi. Pouf, c'est l'heure de la petite pause. Hop. T'en penses quoi, Léo? Oui, j'ai beau. Du coup, l'aile gauche du bureau, c'est fait, enfin du bureau, de la salle, de la pièce. Ici, on a un gros foutoir pareil, un problème se pose à moi. En fait, ici, je pensais mettre l'imprimante avec les feuilles et tout, machin, nan, nan, l'imprimante est... en dessous, elle est ici. Le problème c'est que j'ai pas de prise ici, donc du coup je peux pas mettre l'imprimante là, donc elle va plutôt aller dans ce coin là. Oui, ce coin là ça va pas bouger, c'est toujours le bordel. Je pense que je vais prendre la coiffeuse qui est ici, je pense que je vais la mettre ici, je pense que je vais prendre l'imprimante qui est ici, que je vais la mettre ici ou ici, parce qu'il y a une prise là et là. Voilà, c'est mes projets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais voilà. Et ça, du coup, c'est un truc que Maid m'avait envoyé il y a des années, il y a très longtemps, j'ai l'impression. Je vais le mettre là parce que les chaises aiment bien être à mes pieds. Ça va, ça fait pas trop déranger, genre ça passe. Je sais pas, on verra. Bon, écoutez, je suis plutôt contente de moi, je pense que j'ai plutôt bien avancé. Allez, on s'y remet. Après, ici, ça va pas être très compliqué à ranger, c'est vraiment genre des sacs, des gros trucs quoi. Ça va, je vais pas en avoir pour trop longtemps. Et puis les petites plantes et tout, je trouverais bien un endroit où les mettre, que ce soit dans le dressing ou ici. Ça fait partie des premières décos que j'avais dans mon petit appart. On va la laisser là, pour la nostalgie. Je crois qu'il va me falloir un nouveau meuble, genre avec des étagères, des portes et tout. Allez hop, ça dégage. Magnifique. Attention, 1, 2, 3. Ça marche pas. Et voilà. Pour le moment, on en est là. Il me reste la
petite table basse à faire et la coiffeuse. Et ensuite, on sera bon. J'ai mis quelques petits éléments de déco ici parce que c'est des choses que j'aimerais bien mettre au mur et tout. Donc, il faut que je les stocke quelque part. Et puis ensuite, il faudra prendre la perceuse et faire des trous dans les murs et puis décorer tous ces murs. Ils sont jolis, hein. Et je suis encore en train de me poser des questions sur ma disposition. Genre, peut-être que le canapé, finalement, je le mettrai peut-être ici. Contre ce mur-là, la coiffeuse, là il y a une prise, donc pourquoi pas mettre la coiffeuse ici. Il y a une autre prise qui est là où il y a la lampe pour peut-être mettre l'imprimante et la lampe à côté en mettant peut-être une multiprise. Je sais pas trop, de toute façon vous verrez dans cette vidéo, vous allez savoir très vite. Regardez ce cadre, c'est ma famille et moi pour mes 20 ans. Oh, regardez, j'avais pas de sourcils presque. Bon, je les aime, il me manque. 1, 2, 3. Et voilà, c'est tout beau, tout bien rangé. Je vais passer un petit coup d'aspirateur parce que le sol est un peu sale. Du coup, il y a eu un peu de remue-ménage et j'y vais. I will show you how you can catch my vibe. And right away, I so much time. Looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. Et voilà, maintenant que tout est tout beau, tout propre, tout rangé, je vais pouvoir commencer à bouger mes meubles, donc du coup à virer ça et à essayer de le mettre ici, ça, de le prendre et de le mettre peut-être là, bouger le canapé et tout. Donc là je vais faire mes petits arrangements et je vous montrerai ce que j'ai fait du coup d'ici quelques secondes. Pour me donner du courage dans mon ménage, mes rangements, tout ça, j'écoute toujours Darley VG Fersen, j'adore ce DJ. Je les mets sur YouTube à fond sur l'enceinte et c'est parti, je suis motivée. Au final, donc comme vous pouvez le constater, j'ai changé de place la coiffeuse et le coin imprimante et tout, vu que j'ai une prise du coup c'est nickel. Là-bas j'ai mis mon chevalet avec un miroir, je pense que je mettrai plutôt une peinture ou un truc, je verrai, mais en attendant c'est comme ça, c'est pas si moche que ça, ça passe. Ensuite j'ai le canapé qui est ici, j'ai juste un petit peu décalé, il y a toujours la lampe, ici c'est un pouf à documents, mais je pense que je le changerai de façon pour mettre un autre meuble à la place de celui-là où je pourrais ranger beaucoup plus de trucs. Voilà, ensuite ben, on a le bureau juste ici, donc bon bah encore une fois c'est un peu le bordel dessus, hein. J'ai pas fait un rangement Pinterest. Enfin, un bureau ça serait jamais très bien rangé. Ensuite c'est tout en fait, c'est pas un bureau de 300 mètres carrés non plus. Donc quand on rentre, on voit ça comme ça. Attendez, je me mets vraiment là où est-ce que c'est quand on rentre, voilà. On voit ça comme ça. Là c'est vrai que ça fait un peu triste le sol, je pense que je mettrais un petit tapis. Ici du coup au mur j'aimerais bien mettre genre des étagères, des cadres, miroirs, pour accompagner le triste petit horloge avec son petit étagère là. Franchement si vous avez des idées déco, des trucs que vous avez vus sur Pinterest et vous pensez qu'ils pourraient bien aller dans le bureau, n'hésitez pas à m'envoyer ça en DM Insta, j'irai voir et puis ben voilà. Si vous voulez participer à la déco de mon bureau, c'est avec grand plaisir, je prends tous les conseils, j'adore être conseillée. Je vais vous mettre en avant après pour que vous puissiez voir la différence avec tout à l'heure. Point de vue, quand je suis assise sur ma chaise de bureau. Ah j'adore. Ah là je suis heureuse, ah là je suis très contente. Je suis en train d'admirer le bureau, je vous jure, je suis trop contente. C'est mon endroit de chez moi, genre, et du coup, bah voilà. Enfin, je pense que je me sens bien dedans, et ça, c'est très important. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, que c'était assez satisfaisant à regarder, et je pense qu'on se retrouvera dans cette pièce pour une partie déco, entièrement déco, dans laquelle du coup, je vais pouvoir remplacer quelques meubles, genre par exemple le petit bureau et tout. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut !